Ouais, salut les gens. Je suis chez Tiso, donc spécialiste de l'isolation à Saint-Avé. Je vous ferai une petite photo du camion pour la publicité. Je vais vous parler vite fait de la laine, parce qu'en fait, le spécialiste de l'isolation, il utilise surtout de la laine de coton. Donc on peut voir là. Donc je vous montre pas son visage tout de suite, hein. Il va nous expliquer la différence, par exemple, entre la laine de verre et la laine de coton. Donc là, on est sur une part 45 déjà pour commencer, et on a celle-ci. Donc celle qu'on utilise plus communément en mur, c'est ça? C'est ça, pour les murs Donc périphériques. voilà, la différence entre cette laine-là et une laine de verre. Alors la différence, ça va être déjà sur le déphasage. Donc la laine de verre, on va être sur un déphasage de à peu près 2-3 heures. Et la laine de coton, c'est un peu comme la laine de bois, on va être sur un déphasage d'à peu près 12-13 heures. Ok. Et du coup, c'est pareil. Après, il y a zéro produit volatile. Donc, comparé à la laine de verre, on va respirer des produits assez nocifs. Bon, moins dangereux que la laine de verre. Rien à voir. 0%, De tout est à risque de base. cancer, quoi. C'est ça. 0% de Même risque de cancer. le liant lui-même, c'est à base de plantes. Ok. Donc, rien à voir du tout. Puis, c'est pareil, c'est du recyclage. Donc, c'est des vêtements. Ça contient à peu près 30, ça peut absorber jusqu'à un total de 30% d'humidité. Ah, ok. Donc, C'est autant dire, rien à voir. Côté phonique, ça c'est qui est pareil, c'est intéressant le aussi, top. phonique, ouais. C'est le top. Donc en fait, il suffit de se mettre sous sa couette, mettre plein de vêtements et on comprend ce que c'est. Bon, on Donc, fera l'essai ce soir. ouais, c'est ça, ouais. Et par exemple, là, la part 45, là, qui est là, par exemple, par rapport à une laine de verre standard qu'on met dans une cloison de distribution, la différence entre les deux. La différence, Elle va être phonique? la laine de verre, on va jouer sur le petit côté phonique. Bon, on va dire Très, c'est. très, très, très peu phonique, hein, 0,1 décibel, quelque chose comme ça. Très, très très peu. Alors que là sur la laine de coton métisse, on est quand même dans le haut de gamme, même côté phonique, tout en ayant un coût un petit peu plus élevé, mais en sensation, c'est rien à voir, quoi. C'est comment dire, c'est dur à expliquer, c'est faut le vivre, quoi. Ouais, non, mais après Et on en arrive à fait. comprendre parce qu'au final, déjà, on voit bien l'épaisseur. Moi, je le vois bien hein, par rapport à une laine de verre standard qui est friable. Quand on tire sur une laine, c'est très friable et celle-ci, Puis elle s'affaisse pas non plus. ben, ouais. Et puis même, on voit bien, on la tasse, mais elle se remet presque en forme, presque tout de suite. Alors qu'une laine de verre standard, tu la tasses, quoi. Tu balances de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Alors, laine de verre, on balance de l'eau, on va avoir les fibres qui vont se casser. Donc, c'est là qu'on a l'effet tassement. Comparé à une laine de Coton. coton, laine de bois, les nouvelles laines de bois, on peut avoir un taux d'absorption justement de l'eau. Donc, du coup, on va avoir le taux d'hygrométrie. Donc, elle va gérer l'hygrométrie de la maison. Elle Ouais. va absorber, rejeter. Oh, c'est Et top. du coup, c'est une fibre qui va reprendre sa place et du coup, l'air emprisonné va reprendre sa forme. Ouais, et puis sur un coût environ, c'est quoi? C'est 30% plus cher à peine, quelque chose comme ça? Entre 20 et 30%? À peine, on est par exemple comparé à la laine de roche, des fois on arrive à être moins cher que de la laine de roche. Ah, bah c'est déjà plus C'est intéressant. après, c'est pareil, une durée de vie de plus de 50 ans comparé à une laine de verre, c'est 30 ans et encore. Non, ça n'a rien à voir. Ah, c'est top. Bah voilà, une petite explication de Frédéric Weiss ou Weiss. Weiss pour les Français et Weiss pour les Allemands. Weiss, Deutsch. Donc Weiss, Frédéric Weiss, et donc de la société Tiso. Je vous mets vite fait le numéro. Allez, je vais vous le mettre vite fait. Hop, on a un petit panneau qui est juste là. Donc, pour ceux que ça pourrait intéresser, vous pouvez le contacter. Il se trouve à Saint-Avé. Pour toute question bête, donc vous pouvez très bien aussi avoir. Donc il y a les aides, hein, il est RGE, donc les aides MaPrimeRénov. MaPrimeRénov et les C2E avec donc il peut y avoir autant Total et FI à Bokin, il y a beaucoup de gens. Donc ça on essaye de le faire justement pour aider les clients. Et sinon sur MaPrimeRénov, il suffit de constituer le dossier, ça prend 5 minutes. Ah, c'est top. Je vous montre quand même son visage, vous ne serez pas apeuré. Allez, à plus les gens.